Le ministère de la parole révélée vient à vous avec des paroles remplies de puissance et de capacité pour transformer votre vie avec l'apôtre Abraham Gandolo. Tu n'es pas sur la terre pour être dominé, tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour régner. La croyance, ce n'est pas la foi, c'est la disposition du cœur et de la pensée à l'égard de la parole. Dans ce que vous dites, révèle ce que vous croyez. Il te sera fait toujours selon ta foi. Et la foi n'est pas une chose collective. Vous luttez trop avec le diable parce que vous ne connaissez pas votre place ou votre position. Parole révélée. Le Dieu invisible. Nous allons ouvrir notre Bible. Ici, il est permis d'ouvrir la Bible et de vérifier ce que l'homme de Dieu dit. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 27. Hébreux 11, le verset 27. Hébreux 11, le verset 27. Alléluia. Hébreux 11, le verset 20. Hébreux 11, le verset 20. Ok. Lisons. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est l'invisible. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Vous connaissez Pharaon? Même Saddam Hussein n'était pas comme Pharaon. Pharaon était plus que Saddam Hussein. Pharaon était plus que Mobutu Sese Seko. Pharaon était plus que Yadema Yassine B. Quoi encore? Non, le nom de Yadema n'est pas fini. Yassine B, Yadema. Etienne, et quoi encore? Sese Seko, Koutoubendou. Hein? So, Pharaon était plus que Chaka Zulu. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est par la foi. Les hommes de foi ne craignent rien. Ils n'ont peur de personne. Alléluia. Il dit c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est l'invisible. Dis à ton prochain, il y a quelque chose qui t'échappe. C'est que la plupart du temps, tu ne vois pas l'invisible ou celui qui est l'invisible Dieu. C'est ça que se trouvent nos problèmes. La Bible, Moïse voyait celui qui était l'invisible. Celui qu'on ne pouvait pas toucher. Celui qui n'avait pas une forme touchable. Moïse le voyait. Alléluia. Moïse le voyait. Tandis que Pharaon se levait le matin et allait et voyait ces différents dieux. Le dieu des eaux, le dieu du soleil, le dieu de l'irrigation. Le Dieu de fécondité. Moïse voyait, Pharaon voyait tous ces dieux. Mais Moïse avait un Dieu que personne ne pouvait voir. Mais que lui seul, il voyait ce Dieu. Mais il voyait ce Dieu par les yeux de la foi. C'est la foi qui nous connecte et qui nous rapproche de Dieu.
La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit dans le livre de Romains 11 que ceux qui ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et par la foi, nous avons été greffés à Dieu. À la fin du message, il y a des CD là-bas, demandez, greffés à Dieu. Ça va vous aider. Moïse voyait celui qui est l'invisible. Quand je parle du Dieu invisible ce matin, de Invisible God, je parle du même qui était au commencement, qui a dit que les cieux soient et les cieux fut. C'est le même qui a dit à Moïse, dans Exode 3, le verset 8. Lisons Exode 3, verset 8. J'ai plus d'une dizaine d'écritures ce matin. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. The invisible God. Ne cherchez pas les autres dans l'Apocalypse. C'est les autres, tu cherches depuis longtemps comme ça. Et tu es Jean. Quelle honte. Ça ne prend pas une minute pour trouver les autres. Il dit, je suis descendu. Parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Le cri que mon peuple pousse à cause des douleurs. Et Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Dieu est le Dieu invisible. The invisible God. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Maintenant, quand la Bible nous dit que Dieu est descendu, Dieu même dit quelque chose. Il dit, le jour où je suis descendu sur le mont Sinaï, il dit, vous n'avez vu aucune figure d'homme, de bête ou d'animaux. Il dit, à moi, je suis descendu. Mais nous ne le voyons nulle part dans le livre d'Exode. Mais il est descendu. Dis à quelqu'un, Dieu est descendu dans ton cas déjà. Dites à quelqu'un, Dieu est descendu déjà pour ton cas. Le Dieu invisible est descendu déjà. Il dit, je suis descendu. Mais on ne l'a pas vu. David dit dans Psaume 16, le verset 8. J'ai constamment mes yeux sur l'Éternel. Quand il est à ma droite, mes pieds ne chancellent point. Maintenant, écoutons la déclaration de David. Il dit, j'ai constamment mes yeux sur l'Éternel. Il dit, quand l'Éternel est à ma droite, mes pieds ne chancellent point. Comment est-ce que David sait que l'Éternel est à sa droite? Maintenant, il dit, j'ai constamment les yeux sur l'Éternel. J'ai constamment mes yeux sur l'Éternel. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Autrement dit, David pouvait voir constamment Dieu à côté de lui. Alléluia. David pouvait voir constamment Dieu à sa droite. Le Dieu invisible. Le Dieu invisible dont je parle ce matin. Dis le Dieu invisible. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Il dit, je fais, Jean 5, 19, excusez-moi. Jean 5, verset 19, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Ici, on écrit, on lit, on vérifie. Jean 5, verset 19, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Vous savez pourquoi je vous oblige à lire? Pour donner l'habitude à ceux qui n'ouvrent jamais la Bible, d'ouvrir la Bible au moins le dimanche.
Parce qu'il y en a qui ouvrent seulement la Bible le 31 décembre. Mais quand vous venez ici, nous allons vous donner l'habitude d'ouvrir la Bible une fois tous les dimanches, une fois tous les mercredis, une fois tous les vendredis. Alors comme ça, ça va devenir une fois le mardi, une fois le jeudi, une fois le samedi. Alléluia. Regardons ce que Jésus dit. Il dit, je ne fais rien de... Lisons à haute voix tout le monde. Il dit, le Fils ne fait rien de... Mais il ne fait que... Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Je parle de Dieu. Laissez-moi donner une bonne fondation avant de commencer à voler. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Mais le Fils fait seulement tout ce qu'il voit le Père faire. Et Jésus marche. Et Jésus vient quelque part. Dans Jean 5, il vient à la piscine de Bethesda. Écoutez-moi. Il vient à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Il y avait des foules. Il y avait des personnes qui étaient malades depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et Jésus va vers un homme, le plus gradé des malades. Il a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit, il est le plus gradé, il était là avant tout le monde. Jésus vient vers lui. Et Jésus dit, veux-tu marcher? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus dit, lève-toi. Jésus dit, lève-toi. Et Jésus l'a guéri, lui seul. Et a quitté la piscine et est reparti. Et dans la suite du verset, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Autrement dit, quand je suis venu à la piscine de Bethesda, Dieu m'a pointé le paralytique. Il dit, lui, règle son cas. Dieu t'a pointé ce matin. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Autrement dit, Jésus a vu le Dieu invisible guérir cet homme. Et Jésus a dit, le Dieu invisible disait, toi, lève-toi. Et le gars ne saisissait pas. Et celui qui est... L'image du Dieu invisible dans le monde visible a dit à cet homme, il a parlé à cet homme qui est visible, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Le Dieu invisible. Le Dieu invisible dont je parle. Nous l'appelons Jéhovah. Alléluia. Le Dieu invisible dont je parle s'appelle Elohim. Le Dieu invisible dont je parle s'appelle Jéhovah Jireh. C'est le même Dieu qui a dit à Abraham, pendant qu'il sacrifiait son fils sur la montagne, il dit, l'Éternel parla du haut des cieux. Abraham n'a pas vu l'image de Dieu, mais il a entendu la voix du Dieu invisible. Quand le Dieu invisible est avec quelqu'un, laisse-moi te dire les choses qui vont arriver. When you have the groupe musical, montez d'abord. Montez. Vite! Hey, Shandora Bakata. Que quelqu'un se lève. Mandorosi Kata. Lendo Shagara Koto Brondi. Mesendo Rakata. Levez-vous. Que Shindoro Koto. Mandora Kito Brendo Shaga. Ha, Ligroski Tagabahude. I have a very big God. He's always by my side. A very big God, oh, by my side, by my side. Ça, c'est le Dieu invisible. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. I have a very big God, oh. He's always by my side. A very big God, oh, by my side, by my side. Baby God, it's always by my side.
le Dieu invisible est un Dieu. Alléluia. C'est ce même Dieu qui était avec Jésus. Quand la Bible dit, vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Amen. C'est le même Dieu invisible qui était avec Moïse. Quand Dieu dit, Moïse, je serai avec toi. Va dire à Pharaon de laisser mon peuple partir. C'est le même Dieu invisible qui était avec Élie et Élisée. C'est le même Dieu invisible qui était avec Josué. Quand l'Éternel a dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. C'est le même Dieu invisible qui était avec Josué. Quand Josué s'est tenu devant le soleil, il dit, soleil, suspend ta course jusqu'à ce que j'ai éliminé mes adversaires. Je parle du Dieu invisible. Mais le grand problème que nous voulons aujourd'hui, que nous avons, c'est que ce Dieu invisible dont je parle, nous voulons le voir avec les yeux visibles. Nous voulons le constater dans un domaine dans lequel il n'est pas. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ce qui veut dire le Dieu invisible dont je parle. Nous ne pouvons que rentrer en contact avec lui que par notre esprit et non pas nos yeux, non pas nos mains. C'est pour ça que Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le silence de Dieu ne veut pas dire que le Dieu invisible dont je parle est absent à côté de toi. Ta défaite, écoute-moi, ta défaite ne veut pas dire que le Dieu invisible dont je parle n'est pas avec toi. J'ai dit ta défaite ne veut pas dire que le Dieu invisible dont je parle n'est pas avec toi. David a dit quelque chose à Goliath. Tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi. Autrement dit, je viens contre toi. Avec le Dieu invisible. Je me présente devant toi. Ayant à mes côtés le Dieu invisible. Quand vous avez ce Dieu invisible dont je parle, la première chose qui va vous arriver, c'est que ce Dieu invisible vous garantit la protection divine. Pourquoi beaucoup n'ont pas la protection divine? Parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle protection divine. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est en charge de leur vie, qui peut les protéger, les préserver. Le Dieu invisible. La première chose dont vous avez besoin, c'est que vous devez être conscient de la présence de ce Dieu invisible avant de pouvoir d'abord bénéficier de son intervention dans votre vie. Psaume 46, le verset 1 à 6 dit, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, et il vient dans le verset 6, il dit Dieu est au milieu d'elle. Elle ne peut ébranler.
Dieu la secoue dès l'aube du matin. L'auteur du psaume 46 était conscient de la présence de Dieu à Sion. C'est pour ça que Sion n'est pas ébranlé. Vous ne pouvez pas bénéficier de ce Dieu invisible si vous n'êtes pas conscient de sa présence avec vous. C'est ce Dieu invisible qui s'est incarné en Jésus. Et Jésus est venu, il a dit, je ne vous laisserai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce même Dieu invisible qui s'est incarné en Christ. Et c'est ce même Dieu invisible qui est venu résider en nous par la présence du Saint-Esprit. Autrement dit, le Dieu invisible qui était avec Moïse réside en moi. Ce qui veut dire, si tu me vois, tu as vu le Dieu invisible. Parce que Hébreu dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Je suis la manifestation du Dieu invisible dans le monde visible. Est-ce que tu peux me demander, le Dieu invisible mesure quelle taille sur la terre? Je te dis qu'il mesure exactement ma taille. Je te dis qu'il a exactement mon teint. Alléluia. Il parle exactement comme moi. Parce que le Dieu invisible réside en moi. Quand vous êtes conscient de la présence du Dieu invisible en vous, la première chose, vous allez bénéficier de la protection divine. Bénéficier de la protection divine. C'est pour ça que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Dit l'ange de l'Éternel campe autour de ma vie. Maintenant, si des anges campent autour de toi, pourquoi nous ne les avons pas vus? Comme nous voyons les gardes-corps de Yaïboni derrière lui. Alléluia. Parce qu'ils sont invisibles. Mais ils peuvent agir dans le monde invisible. Cela va se manifester dans le monde visible. Il faut que tu sois conscient de la divinité. Il faut que tu sois conscient qu'il y a une atmosphère spirituelle autour de ta vie. Une atmosphère spirituelle invisible. Il faut que tu sois conscient qu'il y a certaines forces spirituelles provenant de Dieu qui œuvrent avec toi, qui cheminent avec toi. Le monde spirituel est vrai plus que le monde visible. La manière dont le monde visible est vrai, c'est de cette même manière. Un jour, nous étions en plein jeûne chez moi. Et il y avait un pasteur chez moi. Alors ce matin, tôt le matin, il s'est levé, il était allé au marché, acheter la Sainte-Seine. Et il est revenu, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, pasteur, j'ai vu des choses étranges au marché aujourd'hui. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai croisé deux personnes. Il dit, la première personne, je ne sais pas si c'est un être humain ou si c'est quoi. Mais tout compte fait, j'ai vu que ses pieds n'étaient pas par terre. Il marchait dans l'air comme ça. Et lui et moi, quand on s'est dépassé, on s'est regardé, il a su que je l'ai vu. My God. Et la deuxième personne que j'ai vue, lui aussi, il sait que nous sommes vus. Il a reconnu que j'ai su ce qui se passe. Il dit, il était bizarre, c'était un monstre. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Mais dans le monde naturel, c'était des personnes normales, des personnes normales. Nous ne sommes pas conscients du monde invisible autour de notre vie. Nous ne sommes pas conscients. Nous n'avons pas encore vu un sorcier qui est rentré dans la chambre à coucher de quelqu'un avec un couteau dans la main. Et on s'est réveillé le matin, on a vu un couteau dans la gorge de la personne où on a dit que c'est la sorcellerie. Alléluia. Ils sont toujours venus par le monde invisible. Et il y a eu des conséquences dans le monde visible. C'est de la même manière.
Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu invisible, alléluia, mais qui est présent à nos côtés, qui a juré de ne pas nous laisser, alléluia. Et quand nous sommes conscients de sa présence, alléluia, nous jouissons de la protection divine. Je veux te dire ce matin, parce que tu es en train d'entendre ces paroles, à partir de ce matin, la protection divine t'est garantie. Quand vous lisez Psaume 105, le verset 13, la Bible parle du peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils allaient d'une nation à une autre nation. Dieu ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu invisible était avec eux. Alléluia. Et il ne permit à personne de les opprimer. Psaume 105, le verset 13 à 15. La présence du Dieu invisible avec nous nous garantit la protection divine. Dans 2 Rois 6, le verset 16 et 17, nous connaissons l'histoire d'Élisée. Quand les soldats étaient venus arrêter Élisée, alléluia, alléluia, tu paniques pour rien. Tu as peur pour rien. Le serviteur s'est levé le matin. Il dit, maître, il y a du danger au dehors. Élisée dit, le Dieu invisible est en charge. La Bible dit, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation. Il dit, 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Tu sais ce que cela veut dire? Avant que cela ne tombe à tes côtés, le Dieu invisible l'a dévié déjà. Il dit, tu n'auras rien à craindre. Même la peste qui frappe en plein midi, même la contagion qui frappe en plein jour, il dit, tu n'auras pas à craindre cela. Pourquoi? Parce que le Dieu invisible t'enveloppe. Zacharie 9 dit, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'elle. Pourquoi? Parce que moi-même déjà, je campe autour de ma maison. Le Dieu invisible. Si vous êtes conscient que vous avez le Dieu invisible, El Shaddai avec vous, la protection divine vous est garantie. La protection divine vous est garantie. Vous êtes, j'ai dit la protection divine vous est garantie. Pourquoi? Parce que le Dieu invisible vous entoure. Le Dieu invisible. Un jour, je prêchais quelque part. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, quand tu as dit telle chose, je n'étais plus vu dans la salle. Il dit, je n'étais plus vu. Là où tu étais, tu as disparu. Et il dit, j'ai vu une main qui avait de fusil, qui tirait tout sur les démons. Il dit, je n'étais plus vu. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Tu es plus qu'un être humain. J'ai dit, tu es plus qu'un être humain. Alléluia. J'ai dit, tu es plus qu'un être humain. Praise God. Tu es plus qu'un être humain, tu es divin. Le Dieu invisible nous garantit la protection divine. Pourquoi la peur dans le cœur de beaucoup de personnes dans cette salle ce matin? La peur de la sorcellerie, la peur de l'envoûtement, la peur d'être malmené par les méchants, la peur d'être attaqué par les bandits, la peur de la peur de la peur de... Alléluia. Quand toutes ces formes de peur commencent à traverser ton cœur, dis-toi, le Dieu invisible est avec moi. Alléluia. Quand tu dis que le Dieu invisible est avec toi, le Dieu invisible se charge de toutes les choses qui te font peur. Deux, quand le Dieu invisible dont j'ai parlé avec vous, ce Dieu que Moïse voyait constamment, sans avoir peur, ce Dieu vous donne le repos. Dans Exode 33, le verset 14, Dieu dit, Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand ce Dieu invisible est avec vous, vous travaillez peu et vous gagnez beaucoup. La Bible dit dans Psaume 127,
Il y a deux catégories de personnes. Une catégorie qui se lève le matin et qui se couche tard dans la nuit, qui mange le pain de douleur. Il y a une autre catégorie. Pendant qu'il dort, alléluia, Dieu prépare pour lui la nourriture. Dieu prépare pour lui les opportunités. Le Dieu invisible positionne toutes choses déjà en sa faveur. Et avant qu'il ne se pointe quelque part le matin, le Dieu invisible a déjà travaillé la nuit pour lui. Je te parle ce matin. Le Dieu invisible, alléluia, va te devancer, va positionner les choses en ta faveur d'avance avant que tu n'arrives. Il dit Moïse, ok, je sais que tu es pasteur de 3 millions de personnes, mais moi-même, je vais les paître. Moi-même, je vais m'occuper de l'assemblée. Il dit, toi, je te donne le report. Quand le Dieu invisible marche avec vous et vous êtes conscient de sa présence, alléluia, vous n'avez pas. Parfois, écoutez, il y a des choses que des pasteurs disent. Et moi, je dis, ce n'est pas mon expérience. Amen. L'œuvre de Dieu ne m'a jamais donné de soucis. Alléluia. Jamais. Amen. Quelqu'un a été au cours biblique et est terminé, on lui a donné comment vous appelez non. Après cours biblique, là, il y a des examens qu'il fait. Si tu as fait ça, non, c'est Michel. Comment vous appelez ça? Pas graduation. C'est comme une soutenance. Donc, il doit préparer les thèses ou quoi. Il est venu à commencer à me poser les sujets. Le thème qu'on lui a demandé, en son mémoire, le thème qu'on lui a demandé, toutes les questions qu'elle me posait, j'ai dit, ça, c'est pas mon expérience. Il dit, pasteur, quelles sont vos difficultés? J'ai dit, j'ai pas de difficultés dans le milieu. Alléluia. Il dit, quels sont les problèmes que vous croisez tous les jours? J'ai dit, aucun problème tous les jours. Tous les jours, j'ai des solutions. Je suis conscient du Dieu invisible avec moi. Si le ministère commence à me donner des stress, à me donner de l'insomnie, il y a quelque chose. Soit j'ai dévié, soit je n'écoute plus le Dieu invisible, ou soit j'ai dit que c'est ma chose, je n'ai qu'à faire. Non. Le propriétaire, même c'est le Dieu invisible, il se tient derrière moi quand je parle. Le Dieu invisible. Quand le Dieu invisible est avec vous, dans une affaire, vous n'allez pas transpirer. Non. Vous êtes là et les choses marchent. Quand le Dieu invisible est avec vous et vous êtes conscient de sa présence, la deuxième chose qui vous arrive, vous avez le repos. Le repos, le repos. Le repos même. Un jour, je suis rentré dans une maison. Et il y avait un pasteur qui aime travailler. J'ai dit, pasteur, il est comme un père, c'est un papa. J'ai dit que Dieu te donne le repos. Il a dit, je rejette au nom de Jésus. Il y a du travail, je veux travailler, je veux travailler. J'ai dit, oh my God, si ce papa pouvait comprendre ce que j'ai dit. Hey, Abasakata, Yabushino. Le Dieu invisible, c'est le Dieu qui donne du repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Dieu invisible dont je parle ne peut pas être avec toi dans une situation, dans une affaire. Et tu vas transpirer, tu vas gémir. Si tu gémis trop dans une situation, il faut te poser une question. Est-ce que le Dieu invisible est avec moi? Parce que si le Dieu invisible est avec toi, tu n'es pas supposé transpirer. Tu n'es pas supposé vivre dans l'inquiétude. Cela n'est pas supposé te donner du problème. Alléluia. Parce que le Dieu invisible s'occupe de cela. Le Dieu invisible. 3. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous allez faire des exploits. Dans Psaume 60, le verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous faites tellement d'exploits. Mais ceux qui sont autour de vous savent qu'il y a quelque chose qui se passe avec vous. Alléluia. Et vont peut-être conclure que ce qui se passe avec vous est lié à vos efforts, à votre force, à votre compétence. Alléluia. Paul a dit quelque chose. Ce n'est pas à dire
que je ne sois pas moi-même capable de concevoir quelque chose comme venant de moi-même. Il dit, mais ma capacité, ikanoti, c'est le mot grec. Il dit, ma capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Ce qui m'amène, Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais toutefois, ce n'est pas moi. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand le Dieu invisible est avec vous, la grâce de Dieu coule naturellement sur votre vie. Naturellement. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous devenez un homme d'exploit. Alléluia. Des actions d'éclat. Vous allez d'exploit en exploit. Vous faites des choses extraordinaires. Regardez. Samson pouvait se lever et prendre un poteau avec sa main droite. Je vous ai dit que Samson est plus mince que moi. C'est pour ça que les gens disaient, mais d'où lui vient sa force? Ça veut dire, s'il avait la poitrine bombée, on allait penser. Il dit, mais d'où lui vient sa force? Et pouvait soulever un poteau. Parce que le Dieu invisible était avec Samson. Quand le Dieu invisible est avec vous, alléluia, vous devenez un homme d'exploit. Je te vois partir de ce matin aller d'exploit en exploit. Je vois ta vie devenir une vie d'exploit. Je vois ta vie devenir une vie d'exploit. Tu fais des exploits dans tous les domaines de ta vie. Parce que le Dieu invisible est avec toi. 4. Quand le Dieu invisible est avec vous. Dans Ésaïe 45, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son nom. Assure ce qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Quand le Dieu invisible est avec vous, la Bible dit, Dieu dit Moïse à Josué, il dit, je marcherai avec toi. Il dit, de ton vivant, nul ne tiendra contre toi. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ce qui veut dire, quand le Dieu invisible dont je parle est avec vous, et vous êtes conscient de sa présence, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel à son nom et assure qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Ce qui veut dire, tous ceux qui se lèvent contre toi, tu n'auras pas à parler, mais les mains croisées, tu les verras tomber au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle vaincre sans combattre. Alléluia. Vaincre sans aller sur le champ de bataille. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà programmés pour la défaite. Il dit, je marcherai avec toi. Il dit, Cyrus, ainsi parle l'Éternel à son nom et à Cyrus qu'il tient par la main. Quand le Dieu invisible est avec vous, la première chose que vous bénéficiez ici, il vous tient par la main, il vous conduit. Vous avez la direction divine. Vous avez la direction divine. Tout le monde va à gauche, vous allez à droite. Les gens disent, à gauche, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de voiture sur le chemin. Le chemin là ne va pas loin. Le Dieu invisible dit, continue. Car je suis celui qui trace le chemin dans le désert. Là où il n'y a pas le chemin, je peux créer le chemin. Et tout le monde dit, là-bas, il y a la voie. Là-bas, il y a la voie. Le Dieu invisible dit, ne va pas sur la voie. Là. La voie là va se fermer bientôt. Quand le Dieu invisible est avec vous, et vous l'écoutez, alléluia, vous ne serez pas limité dans la vie. Vous ne serez pas limité quand le Dieu est invisible avec vous. Deux, il dit, Cyrus, je te tiens par la main pour terrasser les nations devant toi, pour relâcher la ceinture des rois. Ce qui veut dire pour déséquilibrer tes adversaires. Je vois tes adversaires sont déséquilibrés ce matin. Je les vois être déséquilibrés. C'est-à-dire, quand ils te voient, ils chancellent. Alléluia. Quand ils te voient, ils chancellent. Quand ils te voient, ils chancellent. Ils sont déséquilibrés. Alléluia. Ils ne peuvent pas tenir en ta présence. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est de l'autre côté. C'est le Dieu invisible. Il dit, pour terrasser les nations, pour relâcher la ceinture des rois, pour t'ouvrir des portes. Amen. Quand le Dieu invisible est avec toi, les portes s'ouvrent pour toi. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Les portes s'ouvrent. Parce que la Bible dit dans Psaume 24, il dit, portes, ouvrez-vous. Élevez vos linteaux. Laissez le roi de gloire faire son entrée. Il dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel des armées. Automatiquement, quand le Dieu invisible dont j'ai parlé avec toi, les portes doivent s'ouvrir avec toi. Les portes doivent s'ouvrir pour toi. Il n'y a pas de raison que les portes ne s'ouvrent pas. Même si les portes ne te respectent pas. Je ne suis pas seul. Vous voulez voir qui? Je veux voir le monsieur. Vous avez rendez-vous? Non. Je suis venu le voir. Donnez-lui cette carte. C'est la carte de la première autorité. Il y a quelqu'un à la porte. Lui-même t'a déjà vu.
par les caméras. Tu n'es pas bien habillé. Tu es venu pas en voiture. Ta voiture n'est pas bien posée. Alléluia. Les tuyaux d'échappement fument. Praise God. Ton pantalon est un peu penché. Alléluia. Mais tu as une carte. Alléluia. Alléluia. Sur cette carte, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom qui est écrit. Il y a le nom du Dieu invisible. Il voit la carte. My God. De la part de l'apôtre. Dis-lui de venir. Et quand tu viens au salon, toi-même tu as peur de t'asseoir. Il dit assieds-toi. Alléluia. Il ne te reçoit pas parce que tu es quoi? À cause de la carte. Le Dieu invisible, alléluia, va tourner les choses en faveur de quelqu'un cette semaine-ci. On va t'accepter à cause du Dieu invisible. On va te recevoir favorablement à cause du Dieu invisible. Les choses vont marcher pour toi à cause du Dieu invisible. La domestique sort de l'eau. Tiens, enlève ça de là. Donne des pots sautés, mais donne des boissons en canette. Le Dieu invisible est avec moi. C'est pour ça que je ne crains rien. Alléluia. Il dit, pour t'ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Il y a des portes que Dieu va t'ouvrir, qui ne seront plus jamais fermées. Ces portes vont rester ouvertes pour toujours. Que ça soit des jalousies, que ça soit la haine des hommes, que ça soit des attaques de sorcellerie, qu'on place même ton nom sur des fétiches, sur des idoles, pour que tu sois rejeté là-bas. Je te dis, il a dit non. Je suis le Dieu invisible qui ouvre des portes. Écoutez, comment une porte que la main de Dieu, alléluia, a ouvert, la main de l'homme va venir fermer. Comment une porte que la main invisible de Dieu ouvre? Il n'y a pas une main sur la terre pour fermer cette porte devant toi. Parce que c'est une main forte. Une main puissante. Alléluia. Une main invincible qui a opéré ce miracle. Et une main humaine ne peut pas défaire ce miracle. Il dit, j'ouvre devant toi des portes. Il y a certains d'entre vous. Il y a des portes ouvertes devant vous. Et tous les jours, vous avez un seul souci. Comment faire pour que la porte là ne se ferme plus? Arrête de transpirer pour rien. Dieu dit, moi-même j'ai dit, j'ai ouvert cette porte devant toi. Et nul ne pourra plus fermer cette porte. Il dit, cette porte ne se fermera plus. J'ai ouvert cette porte. Elle demeure ouverte devant toi. Alléluia. Parce que moi-même, le Dieu invisible, je suis ici en même temps. Regardez, le Dieu invisible, il est en vous. Il est avec vous. Il vous dévance. Il est derrière vous. Il est sur vous. Il vous entoure. Quand il a ouvert cette porte, alléluia, il reste à côté de la porte et maintient la porte ouverte. Mais en même temps, il continue de cheminer avec toi pour te garantir la sécurité. Donc quand un homme vient fermer cette porte, il constate que le Dieu invisible, l'auteur de cette ouverture, a serré con. Jésus a serré con. Cette nourriture est protégée par les chars. Praise God. Donc les souris ne peuvent pas manger. Alléluia. Dieu même veille sur cette porte. Je suis venu te dire, arrête de courir. Arrête de transpirer. Arrête de chercher le secours humain. Psaume 60, le verset 13 dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Le secours de l'homme donne de l'insomnie. Il dit, hey, celui qui a ouvert cette porte est à côté de cette porte. Ne t'inquiète pas. La porte ne se refermera plus. Elle est ouverte devant toi. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle a dit que cette porte est ouverte et elle ne se refermera pas. Ne sois plus dans l'inquiétude.
Parce que le Dieu invisible est avec toi. Il dit, pour t'ouvrir des portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Quand le Dieu invisible est avec vous et vous êtes conscient, il vous donne accès aux choses que d'autres n'ont pas vues. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, tu es sorti avec quelqu'un et il dit, mais tu as trouvé ça où? J'ai dit, j'ai avec le... Il dit, mais j'étais chez elle, je n'ai pas vu. C'est ça. Le Dieu invisible a camouflé ça pour toi. Le Dieu invisible va te donner accès à certaines choses. D'autres vont venir là. Et le Dieu invisible, tu sais, le Dieu invisible, il va garder cet homme pour toi. D'autres filles vont venir, ils vont dire, mais il n'est pas beau, il est vilain. Le Dieu invisible essaie de le déformer légèrement. Ils n'ont pas bien vu. Quand il viendra en tes mains, ils diront, où était cet homme? Où? Un jour, une sœur a dit, quand quelqu'un s'est marié, il dit, nous, on ne comprend pas les hommes ici. Les hommes-là ne nous draguent pas. Alléluia. Et on lui a dit, mais l'homme-là, là, tu l'avais vu avant. Tu n'avais trouvé rien de bon en lui. Elle a trouvé quelque chose de bon. Maintenant, tu l'envies. Parce que le Dieu invisible, alléluia, l'a empêché de voir. Ce qui est à toi, le Dieu invisible va empêcher beaucoup de le voir. Ce qui est à toi, le Dieu invisible va empêcher beaucoup de le voir pour toi. Le Dieu invisible. Amen. Le amen là est fort. Alléluia. Il dit, je te donnerai accès aux trésors cachés, aux richesses enfouies. C'est caché, c'est enfoui. Personne n'a vu. Personne n'a vu. Tout le monde dépasse ça. Vous voyez, c'est l'histoire de Kenneth Copeland. Praise God. Il était pauvre. Pauvre. Alléluia. Tandis qu'il y avait du pétrole sur son domaine, dans sa maison. Et c'est comme aussi un homme d'affaires américain qui est revenu d'un voyage d'affaires. Il a entendu la voix de Dieu. On a fait la publicité de la vente d'une terre morte dans le désert. J'ai dit une terre morte. Que ce domaine est à vendre, mais c'est une terre morte. Personne ne veut l'acheter. Dieu lui a dit, va acheter. Et pendant qu'il voulait acheter, tous ses amis ont dit, il ne faut pas gaspiller l'argent, c'est une terre morte. Il dit, ok, ne vous inquiétez pas. Après qu'il ait acheté la terre morte, après qu'il ait fait tous les papiers, on a découvert du pétrole sur cette terre morte. Le Dieu invisible va le faire pour toi. J'ai dit, le Dieu invisible va le faire pour toi. Ce que les autres n'ont pas vu là, toi, Dieu va ouvrir tes yeux, tu verras quelque chose. Ce que les yeux n'ont pas vu là, le Dieu invisible va ouvrir tes yeux. Tout compte fait, même si l'endroit là ne produit rien, ne génère rien. Ah, si j'ai le Dieu invisible avec moi, le même qui a dit au commencement que la terre soit, et la terre fut avec l'or, avec le diamant, avec du pétrole, avec de l'uranium, avec toutes ces choses. Quand celui-là me dit, reste là. Si les autres n'ont rien vu, et moi j'obéis à sa voix, je reste là. S'il n'y a rien là, et le Dieu invisible dit, reste là. Alléluia. Là. Le Dieu invisible va créer le miracle là. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, il a laissé Abraham dans une terre déserte. Il n'y avait pas de pu. La Bible dit, Lot est allé sur un lieu où tout était vert, joli, beau. Et Dieu dit à Abraham, du lieu où tu es, lève les yeux et regarde. Je te donne à droite, je te donne à gauche. Je te donne devant, je te donne derrière. Et Abraham a dit, amen. Mais Seigneur, le lieu est désert. Il dit, moi-même, le Dieu invisible, l'auteur de la bénédiction, alléluia, je vais transformer, alléluia, la condition climatique de ce désert.
Hey my God, le Dieu invisible a transformé la condition climatique de ce désert et c'est devenu toute une autre chose. Je vois Dieu changer la condition climatique de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu changer l'atmosphère de ta vie. Je vois Dieu donner une nouvelle température à tes affaires. Au nom de Jésus de Nazareth. 6 ou bien 5. 6. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous devenez un homme de miracle. Un homme de miracle. Quand vous lisez dans Marc 15, la Bible dit que les disciples sont partis prêcher. Et le Seigneur travaille avec eux. Dit le Seigneur travaille avec eux. Et des miracles les accompagnaient. Les miracles les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Les miracles les accompagnaient tous les jours. Parce que le Dieu invisible était avec eux. Alléluia. C'est pour ça quand les pierres ont guéri un malade, ils ont dit, mais nous les connaissons, c'est des hommes du peuple sans instruction. Mais nous ne savons pas d'où leur vient cette puissance. Ils ont dit, par quelle autorité vous avez fait ça? Ils disent, c'est pas le nom de Jésus que vous avez crucifié, frappé. C'est son nom qui nous a permis de faire cela. Autrement dit, nous sommes des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. Mais l'homme le plus instruit marche à nos côtés. Nous sommes des hommes du peuple sans instruction. Même l'homme le plus instruit, alléluia, qui connaît la physique, la mathématique, le français, la grammaire, l'orthographe, alléluia, qui connaît l'agriculture, il connaît la géologie, la psychologie, psychologie, neurologie, cardiologie, zoologie, dendrologie, oreillologie, genoulologie, alléluia. Hey, yaba sakata yaba. Écoutez-moi, ce Dieu est avec toi, alléluia. Ce Dieu est avec toi. Hey, j'entends une parole ce matin. Quelqu'un a les maux, des douleurs au niveau de ses os. Quelqu'un a les problèmes d'os ici. Tes os sont guéris. Tes os sont guéris. Je parle des os de quelqu'un. Les os sont guéris. Je dis les os sont guéris. Je dis les os sont guéris. Parce que le Dieu invisible a dit que tes os sont guéris. Donc tes os sont guéris. Tes os sont guéris. Quand le Dieu invisible marche avec vous. Praise God. Comme les gens ont pensé que c'est l'Italie, les païens que je mets au cou, que c'est là où j'ai ma magie. Alléluia. Ils ont pensé que c'est le pain que je mets au cou là. C'est là que j'ai acheté ma magie. Et c'est ça, ils critiquent en ville. Même des grands pasteurs, j'ai dit, ils n'ont pas compris quelque chose. L'évangile, ce n'est pas papato. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas le chemin de l'onction. Nous sommes jeunes. Mais Dieu nous a donné accès au secret divin très tôt. Alléluia. Yeah, yeah. Sans Thalie, la puissance va couler. Parce que le Dieu invisible est avec moi. Le Dieu invisible est avec moi. Hé, hey, lève-toi. Lève-toi. Je n'ai pas de talis. Viens, lève-toi. Viens, viens. Viens. Toi, viens. Viens. Reste là. Viens. Viens, viens. Ouvre ta main. Répare-moi au Holy Ghost. Va lui imposer les mains. Va lui imposer les mains. Vous allez voir si c'est la magie qui est. Bien si c'est Dieu. Touche-le seulement. C'est fini. Laisse-le. Laisse-le. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'il y a un paille là? Non. Il n'y a pas un paille. Il n'y a pas un paille. Non. Si vous avez Dieu et vous pensez que tout ce que nous faisons c'est la magie, vous n'avez pas trouvé le vrai Dieu. Vous avez quel Dieu? Vous avez quelle Bible? Et tout ce que la Bible dit, c'est impossible pour vous de le faire. Praise God. Oui. Le Dieu invisible, quand le Dieu invisible est avec vous, vous devenez un homme de miracle. Vous devenez un homme de miracle. Tu dis, Dieu a dit. Et il dit, tu dis, a dit quoi? Tu as vu Dieu où? Tu dis, tu n'as pas compris. Alléluia. Ils ne savent pas comment entendre Dieu. Ils ne savent pas. Il dit, Dieu a vu, nous, rien n'a rien entendu. Il y en a qui me disent, comme pasteur, quand tu dis Dieu m'a parlé là, Dieu, comment toi tu entends Dieu? J'ai dit, laisse ça, tu ne peux pas comprendre. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Parce que je sais que le Dieu invisible marche avec moi. Quand le Dieu invisible est avec vous,
vous devenez un homme de miracle. Une femme de miracle. Un homme de miracle. Et pour finir, quand le Dieu invisible est avec vous, vous devenez sans crainte. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous avez le secours divin. Vous avez l'assistance divine. Vous n'êtes pas privé de l'assistance divine. Divinement, vous êtes assisté. Divinement, vous êtes fortifié. Il est impossible que tu dises que je suis épuisé. Parce que tous les jours, il te fortifie. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous devenez sans crainte. Vous ne craignez rien. David a dit, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Quand le Dieu invisible est avec vous, vous ne craignez rien. Vous ne craignez? Mais comment faire pour que le Dieu invisible puisse intervenir en votre faveur? Vous devez garder le partenariat avec le Dieu invisible. Vous devez... My God. Viens, viens. Il y a une notion là que je vais te libérer. Toi. Viens, viens. Quelque chose qui est venu sur moi là, c'est pour toi. Toi, tu ne sais pas encore Dieu de la façon dont Dieu veut que tu le serves. Ouais. Ce matin, que cette onction arrive sur toi et t'amène à être consacré entièrement pour le Seigneur. Alléluia. Pour que ce Dieu invisible, vous puissiez bénéficier de tout ce que nous venons de dire, vous devez garder le partenariat avec ce Dieu invisible. La Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Ce qui veut dire la communion, le partenariat, l'unité avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Moïse voyait constamment celui qui est l'invisible. Ce qui veut dire qu'il y avait un partenariat entre Moïse et Dieu. Moïse est venu devant la mer rouge. Et le peuple pleurait. Et Dieu dit, Moïse, pourquoi le peuple pleure? Dieu dit, Moïse, prends ton bâton. Divise la mer en deux. J'aime ce verset. Dis à ton voisin, divise la mer en deux. Dieu n'a pas dit, Moïse, prie, je vais diviser la mer. Lisez votre Bible, regardez dedans. C'est dans Exode ou bien Exode 13, non? Il dit, Moïse, étends ton bâton sur la mer. Divise la mer en deux. Dis, nous sommes des hommes de miracles. Dis, nous sommes des guérisseurs. Nous voulons être humbles et nous disons non, c'est Jésus qui est le guérisseur. Et moi là, je suis quoi? Lui et moi, nous n'avons pas le même sang, nous n'avons pas la même vie. Nous disons c'est Jésus qui est le guérisseur. D'accord, c'est Jésus qui est le guérisseur. Mais lui-même, Jésus a dit, vous guérissez les malades. C'est dans votre Bible. Hein? C'est pas ça l'humilité. Non. Dis, je suis un guérisseur. Je suis un guérisseur. Tu sais pourquoi tu es un guérisseur? Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu transportes la nature de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Alléluia. Il dit, Moïse, étends ton bâton sur la mer. Divise la mer en deux. Moïse, divise la mer en deux. Un homme va diviser la mer en deux. Avec quelle géologie? Avec quelle théologie? Il dit, Moïse, c'est simple. Le bâton que je t'ai donné, c'est suffisant. Toi, divise. Autrement dit, Moïse,
fais ce qui est de ton côté. Ce qui est de mon côté. Si toi tu fais ce qui est de ton côté, moi je ferai ce qui est de mon côté. Parce que toi, Moïse et moi, nous sommes en partenariat. Tu ne fais rien de toi-même. Tu fais ce que je t'ai dit de faire. Amen. Il dit, Moïse, tu fais ce que je t'ai dit de faire. Divise la mer en deux. Ce qui veut dire, Moïse a reçu une instruction du Dieu invisible. Et l'instruction lui a dit, divise la mer en deux. Et Moïse va se tenir là. Et va tendre le bâton sur la mer. Et la mer va se diviser en deux. Alléluia. La religion nous a éloignés de Dieu. Amen. La religion nous a éloignés de la pratique, de la démonstration de puissance de Dieu. Une femme a été guérie dans l'église de Pasteur Bénin. Et elle était dans une église morte, comme notre sœur. Elle a été guérie du cancer. Et elle était à la phase terminale. Tout comme fait, elle a été guérie, restaurée. Elle a fait 6 mois dans l'église de Pasteur Bénim. Ses chevilles ont repoussé. Elle est revenue complètement à la vie. Et l'ancienne église, dis l'ancienne église. L'ancienne église. Ok, dans l'ancienne église là, ils n'ont pas pu t'enseigner sur la guérison divine. Ils n'ont pas pu t'enseigner que tu as la puissance de Dieu. Il dit, tu sais là-bas, je suis ancien. Là-bas, je suis maman. Là-bas, je suis la présidente des femmes. Là-bas, le pasteur même. Là-bas, j'ai grandi là-bas. Le pasteur Béni me dit, ne pars pas. Il dit, pasteur, je vais retourner. Mais de temps en temps, j'ai venu prier avec vous ici. Elle est retournée dans l'ancienne église. 3 mois après, non, 1 mois après, les symptômes du cancer ont commencé à se manifester. Elle est partie faire le test. Et on a dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé après 6 mois où le cancer a disparu de votre corps? Mais vous avez à nouveau le cancer. Elle a encore quitté l'ancienne église pour revenir maintenant chez le pasteur Bénim. Le pasteur Bénim a dit, tu es venu tard. Il dit, hé, 6 mois d'enseignement se sont évaporés en 1 mois. L'enseignement que nous avons déposé en toi pendant 6 mois, en 1 mois, tu es retourné là-bas. Là-bas, on t'a dit que Dieu ne guérit plus. Là-bas, on t'a dit, est-ce que vraiment tu as été guéri? Il faut bien réfléchir. Ce n'est pas de... Là-bas, on t'a dit, est-ce que tu avais réellement le cancer? Là-bas, on t'a dit, il faut donner gloire à Dieu. Tu sais, nous sommes tous des pécheurs. Là-bas, on t'a dit, tu sais, c'est Dieu seul qui est juste. Alléluia. Et 1 mois après, Béni m'a dit, je ne prie pas pour toi. Elle est morte. Même si on priait pour elle, elle n'allait pas vivre. Parce que l'enseignement qu'on a bâti dans sa vie, en 6 mois, en 1 mois, elle a perdu cette foi et cette croyance. C'est pour ça que beaucoup viennent à des croisades, sont guéris, retournent dans leurs anciennes, et leurs conditions ne changent pas. Parce que quand vous venez ici, nous on vous recharge. Quand vous allez là-bas, on vous déprogramme. Quand vous venez ici, on vous charge. Quand vous allez là-bas, vous êtes déchargé. Tu viens ici, on te dit, tu es injuste. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Tu as été sanctifié. Tu n'as jamais connu le péché. Tu es allé de l'autre côté. On t'a dit, Dieu seul est juste. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. On t'a dit là-bas, Dieu a donné, Dieu a repris. On t'a dit là-bas, nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on t'a dit là-bas ne t'a pas édifié. Alléluia. Alléluia. Faites attention aux choses que vous écoutez. Parce que vous allez devenir le produit des choses que vous écoutez. Vous allez devenir ce que vous écoutez. Ici, on t'a dit, tu es béni. Alléluia. Toi-même, tu es la manifestation de la bénédiction. Tu es retourné là-bas. Tu es venu ici une semaine. Tu as dormi. Tu n'as pas fait de mauvais rêves. Tu es retourné là-bas. On t'a imposé la main. On a dit qu'il y a une malédiction ancestrale sur toi. Maintenant, quand tu rêves tous les jours, tu te vois dans le village. Tu as été mal reprogrammé.
Alléluia. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Praise God. Un mois après, elle est morte. On ne peut plus rien faire pour elle. La foi qu'on a bâtie dans son cœur en 6 mois, cette foi s'est effondrée. Vous devez garder le partenariat avec le Dieu invisible. Vous devez garder l'unité, la communion avec ce Dieu. Alléluia. Afin que ce Dieu puisse opérer tous les jours pour vous. La deuxième chose, vous devez garder la parole du Dieu invisible. Si vous gardez la parole du Dieu invisible, vous verrez le Dieu invisible agir toujours pour vous. Parce que ce qui engage le Dieu invisible dans le monde invisible, c'est sa parole. Lui, il est invisible. Quand vous déclarez sa parole dans le monde visible, lui, le Dieu invisible, se manifeste dans le monde visible. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, quand nous nous retrouvons derrière des situations, nous ne savons même pas quoi dire. Alléluia. La parole même de Dieu quitte ta tête. Tu as oublié tout. La première chose qui est arrivée, c'est portable qui a appelé. Non. Dis la parole du Dieu invisible. Parce qu'il était avec toi avant que la chose ne se passe. Mais il n'a pas agi parce qu'il voulait que toi-même tu agisses d'abord. C'est quand nous, nous agissons que le Dieu invisible agit. Dis à quelqu'un, Dieu attend que tu agisses. Tu vois, quelqu'un est en train de prier. Seigneur, envoie le secours. Dieu dit, tu veux que j'envoie quel secours? Ma parole est dans ta bouche. Mon onction est sur toi. Mon Saint-Esprit en toi. Dis ma parole. Mon onction sur ta vie va se manifester. Mes anges sont à tes côtés. Mais les anges, beaucoup de personnes ici, vos anges sont avec vous, mais vous les avez liés déjà. Dis ce matin, mes anges sont déliés. Quand vous prononcez des paroles contraires à la Bible, ça paralyse vos anges. Psaume 103, le verset 20 dit, non, Psaume 103, je pense. Il dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Tu peux avoir 10 000 anges et pourtant tu vas faire naufrage. Ce qui va amener les anges à agir, les anges obéissent seulement à une chose, à la parole de Dieu. Lisons Psaume 100, nous allons voir. Psaume 103 ou Psaume 105. Psaume 103, 20. Lisons Psaume 103. Lisons Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel. Que tout le monde, lisons ensemble. Qui est puissant en force? Les anges font quoi? Ils aient. Ok. Comme ce grand homme de Dieu qui était sur le lit à l'hôpital, souffrant, malade. Et un ange est venu. Jésus est venu, lui a parlé du ministère, de tout. Mais ne lui a pas parlé de cette difficulté. Et Jésus est parti. Il était choqué. Dis, il était choqué. Parfois, nous sommes choqués de ce que Dieu ne fait rien pour nous dans certaines situations. Ou bien, et on dit, Dieu nous a déçus. Dieu dit, non, tu t'es déçu parce que tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Il était déçu, il dit, my God. Certains d'entre nous ici, vous pensez que si Jésus, je vois Jésus physiquement, tous mes problèmes sont finis. C'est faux, tu mens. Il a vu Jésus physiquement. Et Jésus lui a parlé d'autres choses. Mais ne lui a rien dit concernant son cas. Il était choqué sur le lit. Il a vu un monsieur long. Et lancé au pied de son lit. Il dit, toi tu fais quoi là? Il dit, je suis ton ange. Il dit, quoi? Tu es? Il dit, tu es mon ange. Et j'ai traversé un problème. Et vous savez ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, tu ne m'as pas instruit. Quand vous lisez encore le livre de Papa Again, je crois aux visions. Papa Again parlait avec Jésus face à face. Jésus est venu dans sa maison. Et subitement un démon est venu au milieu de Jésus et de lui. Et le démon a commencé à sauter. Hey! Et pendant que le démon faisait toutes ces choses, la fumée, l'obscurité montait. Le démon était en train de le distraire. Et Papa Again regarde Jésus. Jésus continuait de parler. Jésus ne dit rien. Hey! Il dit, ah, un démon.
va oser faire ça devant Jésus. Il dit Jésus. Jésus ne dit rien. Rien. Et il n'entendait plus les choses que Jésus était en train de lui dire. Les démons avaient commencé à le distraire. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui sont en train de nous distraire. Nous ne sommes plus concentrés. On dit, Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Dieu dit, tu veux que je parle encore. Tandis que tu as ma parole chez toi. Tu as ma parole dans ton cœur et dans ta bouche. Dieu dit, moi, je suis présent par ta bouche. Et papa Aguer a dit, non, non, Jesus. Et le démon est tombé, est parti. Et papa Aguer a demandé à Jésus, mais pourquoi tu n'as pas agi? Jésus a dit, quand j'étais en vie, quand j'ai été crucifié, avant de partir, j'ai dit, je vous ai donné, j'ai dit quelque chose, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et j'ai dit que vous, je vous ai donné le pouvoir sur la terre. Donc si tu n'avais rien fait, je n'aurais pas été en mesure de faire quelque chose pour toi. Autrement dit, si tu n'as rien dit, je n'aurais pas été en mesure de chasser ces démons. Seigneur, tu es où? Et ces choses m'arrivent. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin, il est avec toi. Il est avec toi. Le jour même tu es allé à l'hôpital, il était avec toi. Seigneur, ne permets pas que je meure. Dieu dit, tu es libre. Si tu veux, tu peux mourir maintenant. Si tu veux, tu peux vivre longtemps. Seigneur, tu es où? Tu es où? Jésus, Jésus. Jésus dit, tu n'as pas compris. C'est que sur la terre, je n'ai pas de voix. Ta voix, c'est ma voix. Seigneur, dis un mot. Et tu regardes au ciel comme si tu vas voir des nuages, comme si tu vas voir un ange venir. Dieu dit non, je n'agis plus de la sorte. C'est pour ça que j'ai mis ma parole à la disposition de chacun de mes enfants. Donc si vous ne parlez pas, Dieu ne va rien faire dans votre situation. Écoutez, si vous ne parlez pas la parole de Dieu dans votre situation, Dieu est incapable dans votre cas. Si tu ne parles pas, Dieu ne va rien faire. Il y a des gens qui ont dit, la voiture voulait me ramasser. Et j'ai dit, Jesus! Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fallait garder ta bouche fermée pour voir si tu ne vas pas aller au péché. Pourquoi quand vous rêvez, vous faites des mauvais rêves, vous cherchez à prononcer Jésus? Parce que sans la prononciation de ce mot, il n'y a pas d'intervention. Alléluia. Beaucoup de personnes commettent trop l'erreur de la bouche. Il y a certains d'entre vous ici, vous avez lié vos anges avec des chaînes, des cordes. Ils sont bloqués sur le champ. Alléluia. Mais dis ce matin, mes anges sont déliés. Je les mets en mouvement. Au nom de Jésus. Dis, mes anges sont en mouvement. Mes anges sont en mouvement. Dis, mes anges sont en mouvement. Au nom de Jésus. Et pour conclure mon message, la dernière chose, je dis, il faut garder la parole de ce Dieu. Et la dernière chose que nous devons garder pour voir l'intervention de ce Dieu. Je ne vois même plus là où j'ai écrit le message. Nous devons le louer. Vous devez apprendre à louer le Seigneur. Dis à quelqu'un, apprends à louer le Seigneur. J'ai seulement compris ce matin que je devrais enseigner. Alléluia. J'essaie de prêcher, mais ça ne vient pas. Je sens que je dois seulement vous enseigner ce matin. Alléluia. Vous devez le louer. La Bible dit, Dieu siège où? À tout moment, écoutez-moi, la prière, la confession déplace les anges. Mais la louange, c'est une invitation adressée à la personne de Dieu. La Bible dit, Pierre était en prison et l'église priait. Un ange est descendu dans la prison. Paul était en prison, a commencé à louer. La prison s'est effondrée. Dieu est descendu dans la prison. La prison ne pouvait pas contenir Paul. Alléluia. Tu es allé quelque part. Tu avais espéré quelque chose. On t'a balancé une mauvaise nouvelle. Quand tu as tourné dos, les larmes ont coulé. C'est vrai. Les larmes sont venues. Fais sortir le papier mouchoir. Et sur ça, ne permet pas que les larmes coulent une seule seconde fois. Alléluia. Entends une louange. Quand je vois la bonté de mon Dieu,
briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénis-le. Et Dieu dit, Gabriel, Michael, regardez-le. Ils vont dire, loup. Il nous dit, non. On lui a dit que ça n'a pas marché. Et cela ne l'a pas affecté. Il a commencé à me louer. Il dit, non, celui-là. Non, non. Michael dit, je vais aller. Gabriel dit, je vais aller. Il dit, non, 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 non. Prenez mon trône, prenez mon trône. Il dit, prenez mon trône, prenez mon trône. Il dit, Dieu siège au milieu des louanges. David a dit, 7 fois par jour, je te loue. Et 3 fois par jour, je prie. Alléluia. David dit, je te loue à cause des lois de ta justice. Ce qui veut dire que la louange doit être basée sur la révélation de la parole. La Bible dit, Abraham s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Mais il fut fortifié par la foi et donna gloire à Dieu. Si vous apprenez à donner gloire à Dieu, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes devant des situations impossibles, quand on vous a dit que c'est impossible, cela n'aura pas lieu. Quand tu détournes tes yeux, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Comment on peut tourner les regards vers Dieu? Un, tu tournes tes regards vers sa parole. Quand tu as confessé sa parole une fois, deux fois, il n'a pas eu de miracle. La deuxième chose que tu fais, tu entends la louange. Quand tu as déclenché la louange, tu as déclenché la louange. La dernière chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Parce que je vois cette situation tourner en ma faveur. C'est ça qui est la vraie foi. La vraie, vraie foi, c'est ça. Tu n'as rien vu avec les yeux physiques, mais tu as engagé sa parole. Et ça, là, là, Dieu ne va pas rester les mains croisées. Le ciel va se manifester en ta faveur. Maintenant que je t'ai parlé du Dieu invisible ce matin, ma prière pour toi, à partir de ce matin, que tu sois conscient de ce Dieu invisible. Qu'à partir de ce matin, que tu commences à voir le Dieu invisible agir dans tous les domaines de ta vie. Là où les gens ont vu que tu es seul, tu es sans secours, tu es sans soutien, tu es sans défense. Oh, les hommes ont vu que tu es faible, tu es sans secours, tu es sans défense, tu n'as personne pour parler pour toi. Mais le Dieu invisible qui a parlé au roi Abimelech en faveur d'Abraham, il parlera en ta faveur. Vous savez, le Dieu invisible dont je vous parle, quand vous avez ce Dieu, mais dans le monde physique et naturel, vous ressemblez à quelqu'un qui est comme sans défense, quelqu'un qui est sans force, quelqu'un qui n'a pas de protection, quelqu'un pour qui personne ne peut plus parler. Ou quelqu'un pour qui aucune voix ne peut plus défendre. Mais il y a une voix que personne ne peut entendre. Il y a une voix cachée dans l'ombre qui est la voix du Dieu invisible. Alléluia. Quand les hommes vont dire maintenant fermons la page, mettons une croix sur lui, ils vont entendre la voix du Dieu invisible. Ce Dieu parlera en ta faveur. Écoutez, quand vous êtes dans une situation et vous avez encore d'énergie, le Dieu invisible ne peut pas encore agir. Mais quand vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de secours. Il n'y a eu personne pour intervenir en votre faveur. Il n'y a eu personne pour parler. Il n'y a eu personne pour plaider pour vous. Là, Dieu dit, je peux venir sur le podium. Je peux agir maintenant. Parce que la gloire ne reviendra pas à un homme, mais la gloire reviendra à ce Dieu invisible. Je vois le Dieu invisible agir pour toi à partir de ce matin. Là où tu pensais que tu étais seul, les hommes vont constater la présence du Dieu invisible avec toi. Là où les hommes t'ont méprisé, ils t'ont maltraité, ils t'ont châtié, ils t'ont humilié,
Je te déclare ce matin qu'ils n'auront plus l'audace de le faire. Parce que désormais, ils verront le Dieu invisible. Moïse, que Pharaon cherchait à mourir. Moïse revient. Mais cette fois-ci, Moïse n'était plus seul. Moïse est venu. Il n'a pas demandé de l'audience. Moïse est venu le même jour. Il est allé tôt le matin. Tôt le matin. Tôt le matin. Et le Dieu invisible avec lui. Il dit, Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé te dire, laisse aller mon peuple. Pharaon dit, hein? Moïse, c'est à moi tu parles? Moïse dit, le Dieu des Hébreux a dit, laisse partir mon peuple. Moïse a déposé son bâton par terre. Parce que Moïse dit, Pharaon, j'ai été éduqué dans ta maison. Tu as payé l'argent de ma scolarité. Tu m'as nourri. Et je devais devenir futur Pharaon. Je connais ton secret. Je connais les différents dieux que tu as dans le coin. Petit, petit, petit. Mais je suis venu avec quelque chose maintenant que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Moïse a déposé son bâton par terre pour intimider Pharaon. Le bâton est devenu un serpent. Pharaon dit, oh, toi tu as un bâton. Il a appelé le dieu des eaux, le dieu de lune, le dieu du soleil. Mettez vos bâtons par terre. Et les bâtons de Pharaon étaient tranquilles. Les consommaient. Tous ceux qui sont en train de compétir contre toi vont échouer en ta présence. Tous ceux qui sont en train de compétir contre toi dans n'importe quel domaine, au nom de Jésus, vont échouer en ta présence. Quand le bâton de Moïse a terminé d'avaler tout le bâton, Moïse a pris son bâton par la queue. Il dit, Pharaon, je reviens demain. Tôt le lendemain matin, Moïse est allé devant les eaux. Tous les matins, Pharaon allait au Nil pour aller maudire l'eau. Et tous ceux qui buvaient l'eau de Nil étaient esclaves de Pharaon. Il dit, Pharaon, laisse partir le Dieu des Hébreux. Il a mis le bâton dans l'eau. L'eau est devenue comme du sang. Quand le Dieu invisible est avec vous, les miracles ne peuvent pas cesser dans votre vie. Et je vais déclarer à quelqu'un que tu ne parleras pas du dernier miracle. Il n'y aura pas de dernier miracle pour toi. Il y aura toujours des miracles. Tu diras toujours le Seigneur a fait. Tu ne diras plus ce que le Seigneur a fait pour moi il y a 2 ans. Tous les jours, tu auras des choses à déclarer de la part de Dieu. Le lendemain matin, Moïse rentre chez Pharaon et dit, Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a dit, laisse partir mon peuple. Il dit, si tu ne laisses pas le peuple partir, je vais produire des sauterelles dans ton pays. Il dit, Moïse, viens. Ta magie a coûté combien? Je vais t'offrir de l'argent. Moïse dit, cette fois-ci, ce n'est pas affaire de l'argent. Ce n'est pas affaire de ce qu'on peut acheter avec l'argent. La puissance de Dieu ne s'achète pas avec l'argent. Alléluia. Non, non. La puissance de Dieu ne s'achète pas avec l'argent. Il dit non. Il dit cette fois-ci, le lendemain matin, Moïse a produit des sauterelles dans le pays. Jusqu'à la 10e fois. Il dit, je ne laisse pas le peuple. Je ne laisse pas le peuple. 10e fois, Dieu dit cette fois-ci, une main puissante. Dis une main puissante. Le forcera. Mais Pharaon n'a pas vu ce qui le forcera. Mais Dieu dit, une main puissante va forcer Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. Ce qui veut dire que Pharaon était dans une condition où il n'avait plus le choix. Dieu va mettre des gens dans une condition où ils n'auront plus le choix que de te favoriser. Amen. Une main puissante va les forcer. Amen. Une main puissante va les forcer. Amen. En ta faveur. Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse.